confortablement, votre stream va bientôt être uploadé. Le transfert de vos données quantiques est en cours de chargement. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello guys. Alors juste un instant, je suis en train de changer la... En fait on va jouer à Destiny les gars, donc je suis en train de régler la catégorie, j'ai pas mis la bonne. Mais j'ai l'impression qu'elle se met... Alors, pourquoi? Oh là là. Bon, désolé. Hein. J'avais pas vu que c'était pas la bonne catégorie, du coup, je le fais maintenant. Eh ben... Oh, ça marche pas. Ça veut pas marcher. Mince. Ah si, c'est bon. Voilà. J'espère que ça s'est mis à jour. Mais dans le jeu... Ah ouais, ça fait comme sur Discord. Pourquoi? Pourquoi la couleur elle est comme ça? Alors quand je streamais sur Discord... la couleur était dégueulasse, je pensais pas que ça allait faire pareil sur OBS. Purée, c'est quoi ce truc encore? Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que je perds pas mes FPS. Ah là là, je pense qu'il va falloir que j'aille regarder ça sur le net. Je sais pas ce que ça peut être. Ah ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, il y a un problème avec Destiny. Je pensais que ça venait de Discord. Je vais aller dans une capitale. Une ville ou quoi. Voir ça tout de suite. Donc là, je dois faire ça. Je vais chercher tout ça sur Internet tout de suite. Tôt ou tard. Nous devrons tous faire face aux conséquences de notre lutte pour le pouvoir. Pour Vigris, la crypte de la pierre donnait accès aux ténèbres. Un accès bien fragile. Tant mieux pour nous. On meurt sur OBS. Car les plus grands secrets d'Europe sont à notre portée. Eux, ils parlent d'un écran noir. Mais moi, j'ai pas d'écran noir. Oh là là, c'est quoi cette histoire? Si ça fait ça, il va falloir que j'arrête le stream, que je cherche pourquoi. Ah ouais, c'est dégueulasse. Bah, mais pourquoi? C'est peut-être une des options, mais je sais pas laquelle alors à ce moment-là. Comment savoir? Je suis en plein écran. Aberration chromatique, ce genre de truc là. 22 films. Quelle modification? Non, c'est pas ça. Oh, comment sceller? Qu'est-ce qui se passe avec Destiny? En bas.
S'il y a quelqu'un sur le chat qui sait pourquoi, qu'est-ce que ça pourrait être? Je vois pas. Il n'y a pas de DLSS ici. Bon, bah, je sais pas. Mince. Si je désactive ça. Non, c'est pas ça. Ah, par contre, j'ai perdu des FPS. J'ai perdu des FPS. Je passe de 140 à 80. C'est toujours jouable. C'est toujours fluide. Même bien fluide, ça va. C'est jouable. Mais j'ai plus les 140 lorsque OBS n'est pas lancé. Bon, par contre, je sais pas c'est quoi le problème. J'aimerais bien trouver en fait et pas abandonner. Problème d'affichage. Si quelqu'un sait pourquoi ça me fait cet affichage tout pourri. Problème couleur. Problème affichage, problème de couleur. On parle de 2017. Mais... Oh là là. Problème graphique sur le forum Destiny 2 en 2018. Les couleurs sont brûlées, la luminosité, c'est ça. Le gros problème graphique dans le jeu est seulement dans Destiny 2. Et en effet, les couleurs sont brûlées et la luminosité extrêmement faible. Avec un contraste des plus faméliques. J'ai tout essayé, modification des paramètres, nanana. Uniquement sur Destiny 2. Up. Avec la mage, la HDR s'est activée chez moi. Tu as peut-être le même souci, non? Dans les réglages graphiques, la HDR s'appelle HD. On ne demande pas pourquoi. D'accord. Le HDR qui fait ça? La vidéo. Ah, c'est ça, là. Ouais, je crois que c'est bon. C'est le HDR qui fait ça. J'ai trouvé. Bon, bah, du coup, c'est bon. J'ai repris presque 10 FPS en enlevant le HDR. Oh, ça va, c'est jouable. Moi, je suis content, j'ai trouvé. Donc, les gars, je me mets sur Destiny 2. Pour l'instant, ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'avais monté. J'avais monté bah, deux persos à l'époque. J'avais joué, je sais pas, 300 heures, un truc comme ça. Mais j'avais pas fait de raid. J'étais revenu refaire les raids plus tard, sur des vieux raids. Donc j'avais un niveau de puissance qui était plus élevé. On était allé à 3 ou 4 et le raid c'était pas très dur. Donc c'était juste pour chercher des exotiques faciles à choper. Mais sinon j'ai jamais vraiment fait de raid. Donc là je suis pas du tout le hardcore gamer sur le sujet. Mais... je compte m'y mettre sérieusement, donc j'ai vu que Zalidan avait fait pas mal de vidéos sur le jeu, j'étais passé de Division 2 un peu à Destiny. Donc je pense que je vais mater toutes ces vidéos qui sont pas mal du tout, et puis je vais stream tous les jours Destiny. En attendant Lost Ark. En tout cas, j'ai retrouvé la pêche pour ce jeu. Parce que moi j'ai joué sur PS4, et c'est... clairement, c'est le jour et la nuit entre bah, visuellement, sur les animations. Le jeu est un million de fois plus beau, quoi. Donc, l'humanité ne réside pas qu'en nous. Bon, ça va. Même sans le HDR, ça a l'air beau. Chacun à en faire bon usage. Mais d'abord, il faut raviver leur pleine puissance. Alors, je l'avais pas pris, ça y est. Personne dépassait autrefois nos connaissances. Obtenez des terres en éliminant les déchus sur Europe. Père, Clovis Bray 1. Utilisez votre attaque de mêlée statique contre n'importe quel type de combattant sur Europe. Crac. D'accord. Il faut que je finisse 10 mecs avec le coup. Espace insuffisant, j'ai plus de place pour la quête. Merde. Comment ça se fait? Moi j'ai trop de quêtes. Comment je peux avoir trop de quêtes alors que j'en ai 28 sur 36. C'est des contrats ça. Je suis dans les quêtes, non? Défi saisonnier.
pas. Je reviendrai chercher plus tard sa quête, mais on va regarder où il faut que j'aille. Bon, j'ai acheté un skin, mais je peux pas le mettre parce qu'il me faut du stuff légendaire pour faire la transmo. Ouais, légendaire. Ah, mais comment je fais? Il me la faut cette quête. Quoi ça? J'en pense. Il me la faut cette quête là. Sinon j'abandonne une vieille quête, hein, je sais pas, ou un contrat. Utiliser les terres pour créer des codes d'accès qui peuvent ouvrir des coffres de déchirure en surcharge. Bon, pour l'instant, le jeu, c'est un peu. Quand t'as pas joué depuis longtemps, c'est clair que Destiny, il n'est pas accessible. C'est peut-être son défaut hein, aussi. J'ai vu qu'il y a pas mal de trucs. En tout cas, le jeu est stable, fluide, optimisé. Là, on n'est pas sur Warzone ou je sais pas quoi. Le passé. Comment je sais si c'est une quête de merde ou pas, ça le problème? Pourquoi on va l'abandonner? Voilà, et là maintenant peut-être je peux la prendre. Ce que recèle la crypte de la pierre n'est plus un secret pour personne. L'incarnation vivante des J'ai pu la prendre. ténèbres, sournoisement camouflée dans l'ADN des Vex. Alors, où vais-je? Alors même au niveau des touches, je suis pas encore OP. Pour le gameplay, oui, mais pour les menus. Bof. Donc là, c'est bon. Bah, je vais me TP ici, je vais venir là. J'avais peur que le jeu souffre de ralentissement en même temps que le stream, comme Godfall et aussi Warzone, mais c'est pas le cas. En tout cas, pour l'instant. Preuve en. Que le jeu est hyper bien optimisé, preuve que c'est possible. Ouais, je suis à 90. Je sais pas si vous le. Ah non, vous le voyez pas, vous. Je suis à 80 FPS là. Bon, je pourrais avoir plus en hein, baissant quelques. Mais ça va, le jeu est beau. Je suis en 2K, je suis en ultra. Je trouve que c'est cool. Vigris n'est plus. Donc j'ai commencé la Je pleure campagne, la j'ai tué perte le d'une boss. amie. Je crois que j'ai tué le boss de fin. Et faites la mort d'une ennemie. Mes sentiments sont Nouvelle étape mitigés. de quête. Mission sabotage. Le salut terminé, ok. Mais les idées Et. Et. Nouvelle quête disponible. Là, j'ouvre un menu pour rien en fait. Donc, il faut que j'aille là. Comment y aller par contre? Pas tout ça quoi. Comment y aller? Je vais me TP en haut de la map. Le Et on va voir froid, ça. il ranime Alors, je vais juste les vérifier vieilles que je suis dans la bonne blessures. catégorie sur Destiny parce que j'avais mis Godfall. Normalement, ça devrait être bon. Destiny, c'est bon. Ah ouais, mais le titre, j'ai écrit Peck sur Godfall. Putain, faut que je change le titre. Et que je me mute. Alors, désolé pour l'écran noir. Une seconde, je change le titre et on est bon. Voilà. Je remettrai le titre si. Parce que je crois que le titre il va pas se changer. Bon bref. Alors. Je suis. Ouais, c'est fluide, c'est fluide. C'est-à-dire que je peux jouer à bon FPS. Bon, c'est sûr que c'était mieux à 140. Mais je vois pas énormément, énormément la différence. Peut-être faudrait que je remonte juste un peu la sensi. Bon, je vais participer au truc là. S'il y a un événement. Ah non, il est terminé. Oh. Je rate un coffre. Ouais, j'ai acheté un skin d'entrée de jeu.
Mais je peux pas le mettre. Déjà, j'ai acheté la monture aussi avec des vieilles compos que j'avais. C'est la monture du skin, donc c'est parfait. Et le problème, c'est que j'ai acheté un skin, mais j'ai pas acheté le pass de combat. Il est complètement con. Oh, c'est quoi qui se passe là? Oh, je suis en train de récupérer des objets de quête, donc c'est cool. Là, c'est un fusil à impulsion que j'ai. Légendaire qui m'ont donné là, juste. Donc je sais qu'il y a une. Oh, il y a du stuff là, regarde. Ah ouais, j'ai oublié de changer de. J'ai oublié de changer de doctrine. Je sais pas combien il faut que j'en économise de ces trucs. L'essentiel est trop faible. C'est quoi lui? Il est cool son skin. Hein. Son skin, bordel. Alors attends. Je regarde où je vais. Bah, il faut que je monte tout en haut. Là, je suis loin. En gros, en fait. Ouais, j'y vais. Oh non! Oh, ça commence. C'est bon. Et ouais, là, faut faire gaffe. En tout cas, les décors, ils sont magnifiques. J'ai vu qu'il y avait des vidéos, ça critiquait un peu le l'extension et tout, mais moi perso je m'en fous, je trouve que le jeu il est magnifique. Oh. Par la suite, on va essayer de trouver une petite guilde sympa. Parce que je pense que je vais pas créer une communauté là en partant de rien alors que je suis pas du tout OP sur le jeu, je suis en retard abusé. Le mieux c'est que j'intègre une commu qui existe déjà. Donc, mais j'aimerais bien atteindre au moins le soft cap 1200 je crois que c'est ça hein, en puissance. Avant de... Alors, passe trop loin. Avant de chercher la guilde. Et puis capter un peu, me rappeler un peu où ils sont les PNJ, les compos, c'est où que je les prends et tout, parce que chaque planète il y a des compos, il y a des PNJ qui vendent des compos, j'ai pas besoin d'aller les farmer, etc., etc. Il faut que je me rappelle de tout et que je redécouvre tout ça. En tout cas, je suis content. Je peux rester en ultra pendant que je stream. Preuve que le jeu est ultra opti. Mince. Je suis même pas modé. Mais je pense que j'attends le soft cap avant de me modé. Vous en pensez quoi? On s'en fout. Là, je suis comment là-bas? Ah oui, c'est là. Ah oui, je suis déjà venu ici, je suis bête. Il y avait des espèces de trucs à prendre qui étaient... Voilà, comme là. Il est toujours verrouillé. Ah non, c'est bon. Il est plus verrouillé. Armure ancienne. Cool. Bah il y en a un autre un peu plus loin, je vais aller chercher. Tant que je fais pas de PVP, je pense que... Ah déjà, attends, je vais changer de doctrine. Parce que... C'était ça là. Ouais. Ça m'a remis à zéro, dommage. Pas grave.
Ouais, tant que je fais pas de PVP, je vais faire du Gambit, hein, j'aimais bien. Je sais que j'en avais fait pas mal à l'époque. Gambit. Ça, c'est un mode de jeu que je kiffe beaucoup. PVE. PVE, PVP. Mais je comprends pas pourquoi ils ont pas sorti d'autres maps dans le même mode depuis. Ça, je me pose la question, je sais pas. Eh ouais les gars, c'est possible de faire des jeux opti. Bon voilà, il y a juste l'HDR à désactiver. En fait, parce que Discord et les logiciels de streaming peut-être ne prennent pas en compte l'HDR. Ah, doit être ça, je pense. Voilà, il l'a pas aimé. Il me tire dessus là. Je cherchais un jeu à me mettre sérieux en fait et je trouvais pas, je tournais en rond. Je jouais à Dota 2, le jeu il est mort, c'est un jeu que je jouais avant. Tu lances, t'attends 20 minutes avant que ça tague. Ça m'a cassé le moral. Je pensais que j'allais trouver en revenant sur le PC parce que j'étais parti sur console quelques années. Je suis un vieux joueur PC mais à l'époque, sur Warcraft j'ai passé 7 ans. Je pensais que j'allais trouver une tonne de bons jeux et tout mais... Un culotte, j'ai trouvé. Et pas seulement par les élixirs de Vigris. Des incursions. Pour moi, le jeu stratégie, c'est toujours StarCraft 2 le meilleur. Bon, les MOBA, il y a League of Legends, Dota, mais moi je préfère Dota. Voilà, il n'y en a pas de nouveau. Bah, quoi. En fait, c'est juste la seule chose qui est bien, c'est que maintenant le PC, il peut tout faire tourner en ultra. Mais bon, je suis déçu de Dota parce que vraiment, il n'y a pas de joueurs quoi. Ils ont sorti une... Comment ça s'appelle ? Ouais, une mise à jour avec un pass de combat, le jeu il est super beau. Bon, il n'y a pas trop de nouveaux combattants. De nouveaux persos, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais c'est pas comme les 160 pratiquement sur... Pour League of Legends. Eh, League of Legends, il m'a gavé, j'ai pas envie d'y jouer. J'y jouerai pas. Désolé. Un petit coffre, armure ancienne. Ok, je savais que j'allais revenir ici les prendre. T'es obligé. Alors là, ils veulent que j'aille où? Ah, ici. D'accord. Vous y trouverez de Varix vous offre molo, molo. Elles sont anciennes. Bon, moi, j'ai un flingue à rayon laser que j'aime bien. Le problème c'est qu'à chaque fois j'ai amélioré, je bousille mes modules, j'en ai déjà bousillé plein. Alors que je suis loin d'avoir mon stuff, pas final, mais au moins le début de la bonne stuff. Claquer des modules pour rien, je trouve que c'est pas une bonne idée. Entre vous et moi, ça me fait chier, hein, j'ai envie d'avoir mes armes et tout, mais je vais essayer de faire vite pour atteindre le soft cap. Commencer. Mais c'est vrai que je devrais trouver une commu le plus rapidement possible, je pense, pour trouver, pour avoir les infos, les conseils et tout des gars. Ils sont en train de combattre entre eux. Ouais, de loin ça fait pas trop de dégâts. Mais attends, j'y vais à part là. J'ai cru qu'il voulait que je fasse le saut de l'ange. Ah mais attends. J'avais des coups de grâce à faire. J'ai qu'à les tuer tous en coups de grâce. T'en penses quoi? Ah lui, il a plus gros lui, non?
Bon, je suis content, le jeu est toujours beau, je sais que je le répète. J'avais vraiment peur parce que franchement avoir une 3070 et ne pas pouvoir mettre en ultra à cause du stream, ça m'avait un peu dégoûté quoi, la vérité. Mais là je pense que c'est bon. Sur Destiny, ça passe bien. Du coup il marque encore un point en plus. En plus j'ai vu qu'il y avait une... Ils avaient fait un communiqué comme quoi ils allaient annoncer du nouveau, un DLC. Donc c'est cool. L'univers est vaste, immense. Et vraiment, il y a un gap graphique, technique, monstre entre la PS4 et le PC. Là. Donc du coup, moi, ceux qui l'ont fait sur PS4, franchement, oulala, il va me péter à la gueule lui. Bon, attends, on va. Voilà, dégage. Ceux qui l'ont fait sur PS4, franchement, je vous invite. Et si jamais vous avez un PC et que, comme moi en fait, et le jeu vous intéressait plus trop et tout, relancez-le sur votre PC si c'est un PC avec une bonne carte graphique. Vous allez prendre une claque visuelle monstre. J'avais un souvenir d'un bon jeu, hein, je m'étais régalé sur Destiny. Mais pour moi il était dépassé graphiquement alors qu'en fait, même pas une seconde quoi, il est même à la pointe. Donc, on va pas se mettre dessus, vu que j'ai rien trouvé d'autre et que de toute façon il a que des bons, des avantages, des bons points et des bons arguments en fait. Enfin bref. Je me posais la question pourquoi ils sortent pas un FPS, MMO et tout ça. Oh, ils ont sorti un Slashed ou je sais pas quoi, là, un jeu de guerre mondiale. MMO, mais il est dégueulasse. Je ne comprends toujours pas comment cela pourrait marcher. C'est pas possible. Enfin, graphiquement, moi, le graphisme pour moi, c'est important. Pour l'immersion, je trouve qu'on avance dans le temps et j'ai besoin de voir un gap à chaque fois, une évolution. Sinon, des bons jeux, des anciens bons jeux qui sont pas très beaux graphiquement, il y en a plein. Hein. À ce moment-là, tu restes sur PS4 ou t'achètes un PC à 500 balles et. Allez, descendez les mecs. Il est puissant mon petit... Pas mal. Il fait grave de dégâts même. La vérité. Ah mais attends. Oh. Et ouais, lui il est chaud lui. Non il va me tuer. Ah il m'a tué, je suis nul à chier. J'aurais dû changer d'arme. Bon, de toute façon il n'y a pas de truc mais bon. Oh putain. Ah il me fait trop mal lui. Oula oula oula. On est bon. Attends, je mets une rafale. Merde. Ah. Faudrait que je suive la quête. Je sais qu'on pouvait afficher les quêtes avant. Alors, frag, super, frag. Frag. Frag abyssaux. Ah, en bas, j'ai une autre quête. Faut que je fasse des frags électriques, solaires et abyssaux. D'accord. Je pense que je suis en train de faire les cryo électriques là. Statique. Statique, je sais pas trop ce que c'est. Statique. Frag. Super. Frag abysso encore. Ok, tout ça c'est des contrats en fait. Mêlée. Capacité de mêlée sur Europe. J'en ai fait que 3. Je pensais en avoir fait plus.
Mêlée. 2 sur 5. Bon, ok. Donc j'ai pas mal de coups de mêlée à faire. Si. Comment ça, compte à rebours avant explosion de quoi? Je dois faire quoi, les gars? Hein? Je dois l'ajouter là? C'était pas ça? Pas capté là, les gars. J'ai fait de la merde, je l'ai jeté trop bas, putain. J'avais pas l'impression de pouvoir y aller. Non, on peut pas y aller. Quoi cette histoire? Pas par là? Ah ouais, là on voit rien. C'est par où les gars? Ah, par en bas, je suis con. Ah non, même pas. Je dois faire quoi? Reprendre le truc dans le mur là? Peut-être. Et où? Et après je vais où? Et là? Ah ouais, c'était ça. D'accord. Ah, c'est ça qu'on aime, des décors de fou. On dirait un rail. Il y a un train qui va m'écraser, non? Les épreuves ont été nombreuses. Je dirais que nous apprenons à faire les choses à notre manière. Là, je suis à 100 FPS ici. C'est plus cloisonné. Alors j'ai looté quoi là? 100... 190. Automatique. Mais pourquoi j'ai gardé celui-là moi? Bon. Alors que j'avais mieux. 178, 190. Donc ça c'est quoi ça? J'ai la fusion. Et là 160... 192 il est mieux. Parce que je pense que... ça prend la puissance que j'ai sur moi. Je suis pas obligé de le mettre. Pas sûr en fait. Récupérer les coups dans le chargeur et ouvrir un portail temporel. Et lui, 192. Je vais pas user des modules. Dégueulasse mon stuff. Oh, quel sale flingue. Trop moche. Jump le plus vite possible. Mais je t'ai vu mon gars. Alors qu'est-ce qui se cache vers ici? Attends, faut que je fasse des coups. Ah non. Puis comme une huître. Il est mort. Putain, je voulais lui mettre le coup de grâce. Chier.
Oh, la quête, c'est de récupérer tous ces trucs là. Les armures anciennes, ok. Y a un truc à faire ici. Oh. Il va se battre avec moi? Non. Ah non. Dommage. Fallait le pirater pour qu'il se batte avec moi, les gars. Alors, je monte là-haut. Je dois monter là-haut. Attends. J'arrive les poteaux. On va régler ça à l'amiable ou pas. Bon, il est pas trop nul le fusil, il fait le taf. Hein. Un fusil légendaire, mais c'est pas grave. Là, j'en ai fait un de kill. On les prend tous au cac, comme ça. Ah ouais, mais il tire lui. Ah, mais peut-être qu'il faut que mon coup soit chargé là. Pas juste un coup au corps à corps, il faut vraiment que le truc soit chargé peut-être. C'est ça, je sais pas. Ah, il faut que je pirate, ok. Quand tu redébarques comme ça, t'as pas joué depuis longtemps, tu te rappelles même pas de l'histoire et tout. Bon voilà, je sais même pas si j'ai fini la campagne, si je fais des quêtes. Les quêtes bleues, c'est les quêtes de campagne. Il m'en reste encore, donc... peut-être que j'ai pas fini la campagne, je sais pas. Quand j'ai tué le boss de fin. Ce qui me semblait être le boss de fin. Avec les petites plateformes rouges là qui le protégeaient, qui lui créaient des boucliers. Il est surpris à plusieurs fois. Ouais, il faut que je sabote encore un truc. Ah bah c'est lui non? Ouais, c'est lui. Ok, on se taille par là. Parce que là, les munitions... Ah. Attends. Il y en avait encore. C'est quoi le max de ces munitions? J'aime pas trop ces fusils là en tout cas. Je sais pas s'ils sont bien mais... Pas mon kiff, je préfère un fusil d'assaut normal. Waouh, les déchus n'ont pas fait semblant ici. Et encore un terminal informatique. Ok. Vous ne devez pas le faire sauter. Vous créeriez une trop grande perturbation. D'accord, d'accord. Laissez-moi jeter un... Oh, j'attends de voir s'il m'envoie des sbires. J'espère que je suis pas en train de lui donner du jus. Ah, j'aime pas, j'aime pas.
moi qui l'a... D'accord, donc c'est un petit boss. Pas tanké. Et on va le dégommer. Alors son point faible c'est quoi? Oula, il est en train d'incanter un truc là. Je m'en fous pour l'instant. Oula. Il y a encore des trucs là. Des munitions. Oula. Putain, mais il est en train de me dégommer. Oh merde, j'ai mal joué. Ouais, j'ai mal joué. On dirait un trisomique. Faut que je prenne l'habitude. Bon, là on recommence. Oh. Je vais repartir d'où, bordel? Waouh, les déchus n'ont pas fait semblant ici. Et encore un terminal informatique. Vous ne devez pas le faire sauter. Une trop grande perturbation. D'accord. Laissez-moi jeter un œil. Molo, parce que les coups je les prends. Je peux me faire du dégât moi-même avec la lance-roquette. Il est en train d'incanter des trucs pas gentils là. Non. J'en ai plus. Voilà, il me fait mal là. Il va me toucher de là. Allez, crève. Pour toujours, matériaux. Donnez l'ordre, commandant. Ah, il y a beaucoup de matériaux, hein, vraiment. Donc là, fin de la mission. Je sais pas s'ils me remettent en orbite, je me rappelle plus. Ou... Ouais. Alors, déjà, est-ce que j'ai eu du stuff?
Non. Ah, on voit pas. Le, on regarde pas. On se casse. Alors attends. Là, ils m'ont mis là, mais on va courir comme un fou. En haut. Merde. Ici de toute façon. Ah. Donc là il y a une. On commence dans 38 secondes, je vais aller la faire vite fait. Attends. Histoire 2. Quelques compos, peut-être du loot. Il y a du monde, c'est ça, c'est super. Partout, tu vois, il y a du monde, voilà quoi. Il y a plein de jeux que tu lances et ils sont abandonnés. Ah, vraiment, Destiny, c'est cool là. Même dans les zones de départ, il y a du monde. Tout le temps, vraiment le top. Ah, ben voilà comment. C'est tout. Alors là, j'ai eu quoi? 190, 194. Via pompe, oh. Bah c'est mieux déjà. Je vais le prendre. Je tire. Ah. C'est lui le boss. Celui qui le protège là-bas. Oh les gars, les gars, les gars. Allez tous ensemble. Okay. Ils ont bien bossé, ils doivent avoir un bon DPS les frérots. Alors il y a quoi dedans? Une arme. 2500 lumens. Voilà. Alors l'arme, est-ce qu'elle est mieux que la mienne? Vie automatique, 194, ouais un petit peu. On zappe. Oh ouais. La petite plus petite cadence par contre. Ça a l'air un peu plus stable. La même merde hein mais. Bon, si on allait le dégommer là-haut. Qu'est-ce que t'en penses? Merde, c'est ça que je voulais faire. Allez, crève frérot, t'en fais pas. Ok. Ah oh, ça, non je m'en fous. Y'a pas un petit coffre, un truc? Je l'ai tué pour le fun. Bon. Allez, on y va. Donc là, on se TP. Ici. Ouais. Et là, il y en a une autre. On va commencer. Mon rare. Non, je vais aller là. C'est bon. Je peux aller 5 minutes. Enfin, je vais aller un petit peu sur le Discord avec les potos, mais ils parlent de League of Legends. Si je vois au bout d'un moment que ça commence à saouler, j'enlève les gars. En attendant, je pexe, tranquille. Vous pouvez me parler, je vous répondrai, pas de soucis.
Yacine ? Ouais. Ce sont... Yes. Ouais ? Non, j'ai... rien. T'es en train de... T'as dit quoi ? Vous jouez à LOL ? Ouais. Ouais. Ah, il est chaud et tout, carrément, là ! Je t'avais pas vu, Safi. C'est quoi, ça fait ? T'as dit quoi, Dave ? Non, je t'avais pas vu. T'es en train de stream, toi aussi. Oui. Moi ? J'ai trouvé pourquoi... sur Destiny, il y avait une image dégueulasse. Ça m'a fait pareil sur OBS, et dès que j'ai enlevé le HDR, c'était le HDR qui faisait ça. Laisse-moi, j'ai le bac. Ouais, je stack mon Q. Ward le Nash, hein. Faut Ward Nash. Ward Nash, mate. Terminé. Espace insuffisant. Merde. Ah. Oh, mais ça. Ça, c'est pas suffisant des quêtes. Je me raconte. C'est bon, là j'ai de l'anti-armure de ouf. Pour focus n'importe qui. Bon. Chier. Attends. Fais gaffe. Y'a aucun. Ah, mais pourquoi j'ai trop de quêtes? Que peut faire Varix? Oh, le brown, il prend trop cher. Vous aidez Varix. Varix vous aide. On y va et on donne Nash. Hein. Y aller, c'est donner le Nash or. Et... Oh. Ça, c'est mes quêtes. Oh. Attends. Il a ward ici. Hein. Il a ward ici, le sauvage. Il va mult ou pas? Il y a plus de radar, ça. Ça, je le ferai jamais. J'ai précision. Abandonner ça, je m'en fous. Quand tu feras, c'est sur un gun. Même si le Nocturne va nous ult instant. Je le vois. Vous apporte. Voyons voir. Ah, là, mais là, je commence à avoir des dégâts là. Attends, ils rentrent dans ma jungle là, ils font quoi là? Alors, on va prendre des contre. On y va, hein? Pas la Harry, elle a Azonia, oh, ça non, y est. Non, j'ai fait le con. Séraphine. On recommence. Europe, plus de précision. Venez, on se colle à moi. Derrière la. Aïe! Aïe! Waouh! Alors, peut-être qu'il s'est mis dedans. Je le savais. Le Renekton ne sert à rien. Mais je peux pas, moi! Qu'est-ce qu'il fait, le Renek? À la stase. Complexe. Pas go to chase nos visions. Oui. T'es sûr, ça allait se passer comme ça. Peut-être. Nocturne Serra, Easy Air. La place est R de dingue, quand même. Qui est la Séraphine? Ouais. Tu trouves? Bah, elle nous a tous pris. Les 5 frères. Ah bah oui, ou... dedans. Je suis monté en haut. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris le foutu de la Fiora. Non, t'as été touché, je t'ai vu. Alors j'étais dans le shield alors, c'est pas possible, j'étais pas CC. Je sais pas ça, mais je t'ai vu être touché. J'ai le temps, celle-là. Et on l'a tué. Allez, c'est pas vivre, hein. Allez. Interdit de saisir ça. Mais quoi, vous venez pas? Ah, c'est bon. Je suis au mid, moi. Je te push. Parce que ça va push. Tu push, parce que ça va push de ouf. Mais si ça suit pas. Les Elixni ne sont mais t'as 4 collègues à côté de toi, dont Ezreal qui a peur de. Nous sommes bâtisseurs, gardes, négociateurs. Oh là, la veine. La veine, c'est atroce. Varix, y'a un shield beau. Je suis obligé de faire le truc avec les boucliers là. J'ai pas le choix. Hein. J'ai que 1 énergie. Ah. Je peux pas y aller. C'est fini. Y'a la veine. Aïe. Oh, j'ai claqué des matrices pour cette merde. What the fuck? C'est quoi ces dégâts? Je capote.
On peut pas gagner. Non, c'est impossible. On peut pas, frère. Impossible. 2-9 le Brand. Et surtout, le Nocturne, il est en 13-3, sa mère. C'est le Nocturne le plus dangereux. Connaissez-vous ce regard ? S'il vous plaît, le mid. Une personne. Une fois, il est dans ma game, cache, je perds. C'est... Pire. Le Nocturne. Ah ouais. C'est vraiment lui. Après là c'est la faute du Renekton. Renekton il est mort au pire moment. Non, il est le Xin ou Nocturne. Mais il a pas compris, il peut pas comprendre. Nocturne c'est une dinguerie. Il sait pas. Lui et Xin, faut cacher les bannes lui. Les gars, je me mets tout seul sur le truc, c'est pas possible sinon. Ouais, en fait, les modes de l'artefact, en fait, c'est des modes que tu peux mettre dans ton stuff. Je pensais que c'était un truc qui était activé d'office, mais pas du tout. Bon bah. Parce que ça, c'est quoi ça? Pendant la surcharge de lumière, obtenez un bonus de dégâts infligé par les armes. Chaque combattant vaincu consomme une unité de surcharge de lumière. Je sais pas trop ce que c'est, je vais le mettre. 4, il me reste un seul point, c'est ça? D'accord. Réduit les dégâts infligés par les combattants qui se trouvent à longue distance. À bout portant. Ça, oui, ça m'intéresse plus. Bon, d'accord, ben voilà. C'est, mais le problème, je la dés, je perds tous les modes. Avant de la vendre, il faut enlever les modes. Ça, c'est de la merde, j'espère pas. Hein. J'espère pas parce que c'est une prise de tête. C'est pour ça que les modes, j'ai même pas envie de regarder tout de suite en vrai. Alors lui, 190, 193. Gardez mon lance-roquette. Ça, tu vires. Oui, je me souviens de Rhys. Mes souvenirs sont vagues, mais je ne les oublierai pas. Comment le pourrais-je? Ok. Alors où va-t-on? Que fait-on? On va regarder sur la map. Si appeler quelque part, ben on dirait pas. Je dirais que j'ai plus de quête principale. Si là, j'ai un PNJ à aller voir. C'est lequel? Du stuff. Hein? J'ai rêvé? De là, on voit bien. Un jeton là. Et je me lançais dans un assaut. Pas assaut sur Gambi. Je lance un assaut pour le fun. Là, les quêtes, pour l'instant, c'est un peu du chinois. J'espère que le matchmaking, il va y avoir du monde. Je pense que oui, les gars, allez. Allez, montre-moi qu'il y a du monde, que j'ai bien choisi, que j'ai choisi un jeu qui n'est pas mort. Ah, peut-être je rejoins une team déjà existante. Ils doivent être déjà en train de... De pex. Dans l'instance. Je pense que je vais prendre le pass de combat et le vaisseau. Donc j'en ai déjà pour 20 balles encore. Je suis pas tout seul. Tout seul ou quoi? Ah pas ou quoi? T'es fou? Me mettre en face d'une armée? Mais c'est quoi cette merde? Attends, je peux pas. Ah ouais? Si, y'a un mec! Je suis pas tout seul, bordel. Comment il a fait à venir ici?
Oh, c'est cool, on est deux. Et... Ah, il est énervé, il est en train de faire le truc de lumière. Peut-être que c'est la doctrine que je devrais prendre. Mais j'aime pas la baguette magique là, on dirait un magicien. Bon, je sais que j'ai choisi classe sorcier, mais j'aime pas l'espèce de baguette magique. Tu dois glacer les mecs et après les faire péter, mais j'aime pas. Si j'ai le choix de pas choisir cette doctrine, ben je la prendrai pas. Lui aussi vient de commencer. Bon. La grenade a fait trop mal. Oh là là, mais il l'a dégommé. J'ai le même level que lui, mais il a l'air bien plus fort que moi, le mec. Peut-être qu'il connaît l'instance. On dirait des Terminators. C'est cool parce que tout voir toujours les Vex, c'est un peu chiant. Mais il est increvable, c'est quoi, c'est un tank? Je trouvais que c'était un peu le... Voilà, il y a des nouveaux mobs quoi, c'était un peu le défaut du jeu, il n'y avait pas assez de... Pas de mobs. Pas à quoi il joue, mais il a une arme puissante. Oh là, mais c'est chaud. Il m'enlève tout direct. Boss de quoi lui? Un engramme. Non. J'ai exagéré, hein. Ouais, je pense que la doctrine qu'il a, c'est la bonne. Il éclate tous les mobs en une seconde. Je vais la prendre. Ouais, bof. Les Vex sont presque vaincus. Bon débarras. Oh. Super, je vais relancer. En plus on est sur Europe, peut-être que ça valide les quêtes. Bien que j'ai pas fait de frag corps à corps. Alors je vais voir ce que j'ai eu. Un torse. 193, 194, donc j'en veux pas.
Du quoi 76, 195. On n'en veut plus. Énorme, 194. Diapompe, c'est la même chose. Sauf que là, premier tir stable, bord de... Je m'en fous en fait. Pour moi, c'est la même merde. J'aime pas les fusils à pompe, personnellement. Ah, je venais d'arriver. Ah. Ah, ça relance en boucle. Ouais. Relançons en boucle. Pas grave. TM Corp. Alors, est-ce que je mets de la musique? Peut-être. Je vais peut-être... Alors, attends. Enlever la musique du jeu. Et... On va mettre un petit fond de zik. Pour être sympatoche. Et voilà. Allez, ça lance. Bon. Pour la prochaine session, j'essaierai d'avoir une guild. Et trouver avec qui jouer. Parce que là, en solo, c'est un peu nul. Et surtout que je suis perdu total là pour l'instant sur le jeu, les gars. Par contre, il me plaît grave. Je l'avais relancé sur série X. Et j'avais pas été hypé. Sur CRX, il est dans le Game Pass avec l'extension. Avec toutes les extensions. On s'en charge. Alors, suis-je tout seul? On ne l'espère guère. J'ai l'impression que je suis tout seul, mais il y a une petite flèche là derrière moi. Ça pourrait être quoi, un poteau? Bah vous voyez le jeu en 60 fps, moi là je suis à 90. Ah, je suis tout seul putain. Il lance, si je crois il lance. Si. Oh. C'est ça le truc que je devais faire. Ouais, à mon avis, c'est cette doctrine ici. C'est ce qui doit leur faire le plus de dégâts. C'est l'extension, donc il faut utiliser la doctrine de l'extension. Ah, le frérot. Il est tombé ou quoi? Ouais. Ah. J'avais pas passé. J'ai pas pensé à faire une autre classe. J'aurais pu peut-être. Hein. Ah. Une classe de corps à corps, ça m'intéresse pas. Déjà.
Là, on est parti pour PEX, des heures et des heures sur ce jeu, les mecs. Alors, il peut peut-être me dire un truc. Je vous invite à aller voir mon intro, DM Corp Story. Vous pourrez dans la bio, là, et la vignette, du lien sur de la vidéo sur la chaîne sur YouTube. Oh là là. Voilà, on a été efficace ou pas? Ouais, ça rigole pas. Il supporte pas, j'ai l'impression, la lumière. Oh, c'est un peu long à recharger, hein. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Moi, je ramasse les lumens. Y'a pas l'aide à la vie, c'est comme sur Warzone, je crois. Elisabeth, vous devez savoir. J'ai pas l'impression, en tout cas. Construit ce portail. L'avarice, l'obsession, la liste est longue. Si vous lui aviez demandé. En tout cas, sauver l'humanité. Voilà, la réalisation des décors, donc le. Traverser le portail était l'objectif principal. Le level design, c'est pas le level design. Mais Clovis n'était pas du même avis. C'est vraiment magnifique artistiquement, quoi. Incroyable. Moi j'ai toujours kiffé, et même là les effets de lumière, l'occlusion ambiante, pareil. Alors moi vous m'entendrez toujours parler de ces caractéristiques, enfin des caractéristiques graphiques du jeu. Comme je répète tout le temps, faut que graphiquement ça tienne la route pour que mon immersion soit optimale. Bon, y a pas un spell pour courir plus vite. J'aime bien le PvE. Sur WoW, au début j'aimais pas du tout, je me demandais comment les mecs ils pouvaient préférer le... Il y a longtemps, hein, il y a des années, il y a 15 ans de ça. Donc j'ai fait 7 ans sur WoW, je me demandais comment les mecs pouvaient préférer le PvE au PvP, mais plus tard, j'ai découvert que c'était très kiffant, qu'il y avait une satisfaction, que c'était cool. Bah...
l'interaction avec les autres joueurs, les tout ce qui est toute la stratégie. C'était assez différent, ben PVP, moins stressant aussi, beaucoup moins stressant. Beaucoup plus chill quoi. C'est ça que j'ai kiffé. Maintenant j'aime bien. Surtout quand t'as un niveau moyen comme le mien. Le PVP. Ça devient plus rageant et stressant que autre chose. Je vais en faire, hein. Mais voilà, moi je préfère le Gambi PVEVP. Ici j'avais galéré, j'avais carrément abandonné. Hier. Ouais, hier soir j'ai joué, je suis venu ici, j'ai carrément abandonné. J'ai pas réussi à passer de l'autre côté. Seul en fait. Je voulais trop rusher vite, je manquais de sommeil, je faisais n'importe quoi. Oh, c'est qui me tire dessus là-haut? Des snipers en fleurs là. Voilà. Bien, descend. T'as bien raison. On a réussi? On est munitions. Et on y go. Bon après ils ont pas vraiment réussi à se renouveler en termes de, bah, de décor non plus parce qu'on est toujours dans cette ambiance Target. Bon, c'est vrai que c'est hyper cool. Mais bon, faut trouver des pyramides encore. Elle a l'air assez courte la mission quand même. Là j'ai l'impression que c'était vraiment vite fait. Là, c'est chaud là. Là, il est en train de me cartoucher. Oula, attends. Il n'y a pas beaucoup de munitions en fait, le fusil d'assaut que j'ai. 40 balles, c'est vite fait quoi. Ouais, tout à l'heure il l'a dégommé grâce à la doctrine.
quelques minutes. Je tire la langue quand je m'applique alors que je suis bof. Je suis pas nul. Nul c'est pas comme ça mais je suis moyen quoi. Je suis un genre lambda les mecs. Donc si vous êtes des joueurs lambda comme moi, bah vous vous identifierez facilement. Regarder les pros c'est cool mais quand on n'a pas le niveau... Il met 2 heures à recharger ce truc de merde. J'ai un méchant lance-roquette en exotique. Ça fait pas trop de dégâts hein. Pas trop de dégâts le lance-roquette sur le boss. On est 3 du coup. Voilà. C'est les loot. Il y avait déjà des mobs qui me tirent dessus. Ah c'est lui qui me cartonne. Ah ouais. Il utilise son blaster de la mort là. Merde. Ouais, il n'y a pas beaucoup de munitions. J'espère que je vais changer d'arme parce que... 31 balles. Ah ouais, elle en a encore moins que l'autre, c'est horrible. Peut-être je regarde les mods. Oh, oh. Allez, on le tue là. Et on termine. Les loots sont dans le coffre. Les Vex sont presque vaincus. On s'en presque. Oh. Alors j'ai eu 2 légendaires. Là je me tape des bottes bleues quoi. Je suis déçu. Ça va ? 176 et 199. Ok. Bon, pas ouf. J'approche des 1002. Assistance, frag de précision, j'ai visé mieux que lui. Or, créé, j'en ai fait plus que lui, mais il a tué 5... 5 mobs de plus que moi. Allez, retourne en orbite. Alors, j'arrête, je pense. Enfin, j'arrête les assauts. Parce que je sais que j'avais une quête où je devais faire plusieurs... Ah, ils sont restés, les mecs. Ils veulent le faire en boucle. Je sais pas, c'est pas vraiment fun. Allez, j'arrête. On va faire autre chose. Qu'est-ce que je peux faire ? Faut que je regarde mes quêtes.
Ouais, ça clignote, c'est fait pour ça. Alors déjà, petit contrat. Éliminer l'un des membres du conseil de Virgis dans une chasse de l'Empire. Chasse de l'Empire, suivre. Acheter des terminaux. Acheter et terminer deux quêtes de sabotage acquises auprès de Vakis. Sabotage. Peut-être que c'est des quêtes que j'ai déjà pris. Pas sûr. Utiliser les terres contenues dans le gantelet. Symbiote, il se trouve dans l'onglet quête pour créer un code d'accès. Ah. Utiliser l'éther contenu dans le gantelet de symbiote qui se trouve dans l'onglet quête. C'est lui ? Ouais. Créer un code d'accès. Gantelet, symbiote peut récupérer de l'éther et convertir en code d'accès qui déverrouilleront les secrets des Vex. D'accord. Et là, utiliser l'éther pour créer des codes d'accès 100 sur 100. Comment on fait ? On en crée un là. Voilà, j'en ai créé un. On crée un autre. Code d'accès, code d'accès. Ok. Donc du coup, là, déjouer les plans de la mission du salut. Éther récupéré, frag de mêlée. Faut que je fasse des frags de mêlée. Mais comment ça se fait que j'en ai pas fait? Frag de mêlée à la stase. À la stase. Ah, il faut que je crée encore un code d'accès ici. Voie du symbiote. Coffre. D'accord, donc ça c'est les coffres ouverts. Lancez les missions surcharge depuis l'onglet destination de votre carte céleste. Lancez les missions surcharge depuis l'onglet destination. Alors attends, déjà là je dois faire quoi ici? Je dois aller le voir lui. Récupérer un message. Et là j'ai un truc à récupérer. Ah j'y vais. Ouais j'ai plein de trucs à faire ici, j'y vais. Ce qui est chiant c'est que quand je fais un retour Windows, bah ça me fait un écran noir. Pour Destiny, alors ça me le fait pas sur tous les jeux. Il est parti Gwen. Y'a personne. Oh, y'a personne les gars. Qui je devais parler? Je m'en rappelle plus. On récupère. Ah oui, ça c'est la boîte aux lettres. Est-ce que c'est mieux que les miennes? 19, non. Et ça, c'est quoi? Crypté. Lampe d'utilisation. Une lampe prismatique à usage limité qui se permet de concentrer un engramme de l'umbra. Ouais. Ok. Les gants. J'en avais deux dans le grave. Ah oui, j'en avais deux. Ah non. Lance de faction, aucune marchandise n'est disponible pour le moment. Et j'ai eu des gants. 183, 195, on vire. Là, on va mettre les mods et le skin. Ça. Hop. Alors, les mods. 5 énergie. Pour l'améliorer. C'est un peu des matrices, c'est la question. Putain, j'ai dû en bousiller des matrices. Je fais chier. Mode d'armure. Mode d'armure. Mode d'armure de style de combat. Bon. Plusieurs rayons. Plusieurs rayons sont plus rapidement prêts à l'action ou rangés.
Ok, moi je joue avec fusil d'assaut là. Fireuse. D'accord, c'est ici. Non, attends. C'est là, non? Paillette. Non, c'est les mêmes. C'est pas le même en fait. Ok. Et là, c'est les trucs. Rigole pas. Ça, je vais mettre celui-là. Bénéficier de surcharge de lumière en utilisant un coup de grâce contre un combattant qui consomme un dixième de votre énergie de super. C'est d'une surcharge de lumière en utilisant un coup de grâce. Oh, ça m'a pas pris un point. Je peux choisir que un parmi ceux qui sont là. C'est ça? Non, les deux ils sont couchés. Ah, je comprends plus. Inutiliser 4. Et appliquer. Enfin, donc là il y est. Ici. Ah oui, d'accord. Donc ici, je peux choisir un parmi ceux-là. Et ça prend la place, j'ai compris. Automatique que vous portez tire des munitions perforatrices de bouclier et étourdissantes pour les champions. Ouais, je peux prendre ça, c'est bon. Là, on va prendre. Montre la portée des lancers de grenades. Non, elles sont assez bonnes. Elle est bonne la portée. Affiche des dégâts avec une grenade réduit le délai de récupération de vos attaques de mêlée. Oh. Ouf, non, ça m'intéresse pas. Augmente la portée, non. Pistolet plus. Bon. Et là. Force. Résistance. Mobilité. Quand même une mobilité. Voilà. Là, on est bon. Ah, on peut pas mettre des modes si. Un mode sélectionné. Ah mais c'est payant, c'est tout. Améliore la précision et la vitesse de préparation. Ah mais ça c'est plus la pompe, non je m'en fous. Oui, est-ce que j'ai looté 1994? C'est quoi? Fusil éclaireur, ça m'intéresse pas. 170. Oh, attendez. Est-ce que je peux le faire une petite infusion? Combien ça va me coûter? Mais j'en ai 6. Regardez mon fusil automatique. Et on peut pas mettre de mode sur le fusil. Viseur rapide. Viseur instantané. Augmente la portée. Faible grossissement. Augmente la portée, augmente la vitesse de maniement. Pas rapide, par instant. Voilà la différence. Ok. Bon. C'est quoi ça là-bas? Non, rien. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici? D'autre? Il y a lui, allez voir. Si! Ah, déjà. Qu'à faire ici? Oh! C'est quoi ça? Permet aux gardiens d'utiliser les lentilles prismatiques et d'autres matériaux pour concentrer des engrammes d'Umbrella et altérer leur contenu. Oh. En bélin pour l'instant. Mince. Attends. Hop. On se remet tout seul en vocal. Les autres ils parlent pas. Saison. Saison en cours. Saison précédente. Affinité ombrale. Sous-menu de marchand. Ça bug hein, il y a des petits bugs on dirait. 1191. Et là? Ah non. Décryptage des ténèbres. Donc là, je peux faire que celui-là. Acquérir. Lentille prismatique fragile. Ok. Récupérer le message de machin. CMU. Ok. Oh, attends. Et là, je vais le décrypter, c'est ça?
Ça, mais... Oh non, ça continue avec les quêtes passées. Ah, ça me saoule. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, avec ces... Attends. En haut, on pouvait prendre un truc, je crois. Non ? Décrypté. Vas-y. Alors, qu'est-ce que j'ai eu ? Moi, c'est un fusil à pompe. Et là, j'ai eu quoi ? Ah, oh, ils font chier. Alors, je vais le mettre. Je vais descendre celui-là. Je vais descendre celui-là. Un fusil à pompe. Automatique 1100. Mais non, il est bien ce fusil. Il y a 4 stats. 4 stats, 3 stats. Lui, il va virer lui. Ensuite, les bottes. 898. Pour l'instant, c'est du chinois un peu tout ça, les gars. La boîte aux lettres. Ouais, il me faut une quête. Il me faut une place pour une quête. Comment je fais ? Bah, pourtant, il clignote là, non ? Lui aussi, il clignote encore lui. Chier. Même corp Twitch. Saison compte assaut. Assaut du temps. Espace insuffisant. Je dois faire tirer des trucs là comme ça là. C'est où? Ça. Poser. Proposer. Je vais prendre ces deux-là. Il n'y en aura plus. Et là, il y a un truc à faire. Il me faut une place pour une quête. Et j'ai pas la place. Je deviens fou. Moi, j'ai pas de place dans les quêtes, les mecs. Quoi qu'il clignote ici. Programme exotique, le passé. Quête issue d'extension précédente. Pago revolver, ça je vais abandonner. Mitrailleuse, c'est ancien tout ça, je vais toutes les enlever. Hein. Je suis à l'étape 1 de toute façon. Cauchemar, je me rappelle. Dans la cité des rêves, je crois. Cauchemar. Étape 1, on s'en fout. J'ai besoin de place. Alors, est-ce que c'est bon là ? Non. Attends. Ils ont 13. Je comprends pas, les gars. Pas ramasser les quêtes. Pas abuser ça. Franchement, qui est de l'app. Qu'on peut pas prendre toutes les quêtes, c'est de la grosse merde, par contre. Bon, je vais aller là. Ah, c'est une activité, ça. Ah ouais, puissance 1300. Ah ouais, moi, j'ai pas 1300, j'ai 1200. C'est un raid, ça. Ah, 6 joueurs. Ah, c'est mort. Ouais, il y a 3 et qui manque de prestige, ouais. C'est pas pour moi. On va regarder ailleurs ce qu'on peut faire. Ici c'est quoi? Il y a quoi? Rien. Ici il n'y a rien. Vous êtes ici.
Et à la tour, il y a quelqu'un qui me propose quelque chose. C'est qui? Non? Ah. Quête, zone aérienne. Je pense qu'on s'est à 1100. Sinon, je vais sur Europe. Cosmodrome, la Lune. C'est quoi ces trucs? Bastion des Anges. Non. On n'est pas très bien guidé au niveau des quêtes. Je m'excuse. Au-delà de la lumière. En plus, la mission, j'ai l'impression qu'elle se finit vraiment trop vite, quoi. J'ai joué une nuit, la campagne elle était bouclée, c'est abusé, non? On va faire un Gambi? Bon, je fais un Gambi. Faut que je me trouve une petite commu pour connaître les activités qu'il faut que je fasse. Sur PS4, les temps de chargement, ils étaient catastrophiques. Là. Oh, d'habitude, c'est moins long. Ça va, mais bon. Alors, parce que là, j'ai lancé quoi? Je sais même pas. Ah oui, le Gambi, oui, c'est pour ça. Tu vois, ce mode de jeu il est super cool et je comprends pas pourquoi il n'y a pas plusieurs maps de ce mode de jeu. La ruche a porté une épée. Et... Il est temps de montrer ses muscles. La ruche ne vous effraie pas, n'est-ce pas? Vous avez tué un de leurs dieux. Ou deux. Téléportation en cours. C'est la même team. Allez chasser quelques ennemis et rapporter leurs particules à la banque. Ah mais c'est notre map les gars. Je suis en train de rêver. Parler trop tôt. C'est notre map du Gambi. Mais oui. C'est pas celle-là la map, bordel. Bon ben. On est combien là? Une. Merde! Oh non, mais je suis... Ah ouais! C'est mal ce truc, hein! L'ennemi en approche dans le centre de contrôle. D'accord. Avant j'avais joué, là je suis dégueulasse. Je reprenne la main. Là les réflexes c'est la grosse merde. Ça va revenir vite, ça va revenir vite.
l'arme que j'ai, elle est à chier. Mais j'en ai deux. Ah ouais. J'en ai 13, je vais les poser. Je sais plus si c'est 14, je crois. Allez. Locker moyen envoyé dans l'autre corps. Locker moyen. Allez, remplissez la banque et faites apparaître ce primordial. Allié est à terre, il a éliminé l'un d'entre eux. Oh, you. Réduisez-le ensemble. Ok. Votre allié envahit le territoire ennemi. Oh, j'en avais pas sur moi. Surveillez vos arrières, un intrus est là. Ah, il m'a tué. Je savais qu'il était dans le coin. L'intrus est parti. Je l'aurai la prochaine fois. 1339. Je savais même pas qu'on pouvait aller jusqu'à là. Putain. Bien stuff les mecs. Ah, il faut que je game sérieux. Je trouve une guilde le plus vite possible. Bravo, voilà ce que j'appelle chasser. Ah, il est humaine. Ça y est, c'est tout. Ils ont rien mis en face. Je tombe avec du lourd. Je vais pas quitter, je reste avec eux. Une team en face, les gars. Oh, c'est peut-être le serveur OX. C'était une team en face et on les a explosés. Alors, j'ai eu quoi? Les bots, 199, 201. On vire. Je pensais qu'à partir de 2002, il y avait plus de stuff bleu, mais j'ai rêvé. Alors, fusil automatique, 199, 200. Oh là là là. Là, il vire. Sinon, je prends lui et j'infuse. Ah, ça. Vous en pensez? Mon pistolet laser. Là, j'ai 1204. Là, 1202. Ah. Lui, c'est quoi sa spé?
Génération de Shadow. On infuse. Merde. Voilà, j'infuse. Tant pis. Et du coup, celui-là, je vais pas jouer avec. Je prends ça. 204, lui, je le nique. Je changerai pas d'arme, je m'en fous pour l'instant. 1190, 1193. Non. Je vais pas infuser pour ça, franchement. Non. Allez. On va redécouvrir Destiny 2 en 2021 après une absence de je sais pas combien d'années. Je captais tout, j'ai tout oublié. Bah, mais quand tu finis 150 000 jeux, frère, tu peux pas te rappeler de tout, sur tous les jeux que tu fais. Quand tu play 15 heures par jour, tout le jour de ta vie. C'est parti pour un petit combat. Vous seriez capable de manger un chevalier de la ruche ? C'est ouais. Le genre de question qu'on se pose à la frontière. Stuff, il est trop trollé. Il pèle son armure à lui là. Ah, donc là c'est. Ah, c'est une nouvelle map aussi. La tête de ma mère. Tête de ma mère, nouvelle map. Ah, ils ont assuré grave. Ah, ma sensi, elle est dégueulasse. J'en ai 8. Le portail est prêt. Petit bloqueur expédié. Votre allié a lancé une invasion. Perdez des particules, mon frère. Détruisez ces bloqueurs. Chez vous, coupez-le avant qu'il vous trouve. Un truc de retour avec deux éliminations. Je me fais tuer. Garde de nuit. Ah, c'est le mec qui m'a tué. Hein. Léonide, il en a tué deux lui aussi. En fleur. L'ennemi en approche dans le rabat. L'intrus a quitté la zone. Ok. Oh, j'ai plus de munitions. Ah ouais, non, c'est pas bon les armes. J'ai fait le con. Il me faut un autre flingue. Impulsion, lance-grenade, éclaireur, pompe, précision. Merde. J'ai pas ce qu'il faut. Y'a un intrus chez vous. Trouvez-le avant qu'il vous trouve. J'ai même pas de munitions, gars. Intrus ennemi vaincu. J'ai bien le droit d'essayer. Oh, mais j'ai pas de munitions, c'est ça le problème. Dire que j'ai Death, le seul fusil que j'avais. L'ennemi en approche dans la caverne. La sensi par contre elle est horrible sur manette. Faut vraiment que je trouve un moyen de la... Faut vraiment que je la monte. Accrochez-vous.
n'avez pas commencé, mais c'est vous qui avez terminé. Cible importante neutralisée. Perdez des particules, mon frère. Détruisez ces bloqueurs. L'équipe adverse a un primordial. Une fois mort, ils auront gagné. Votre allié est à terre, mais après avoir éliminé deux adversaires. Il a tué personne. Oh là là. En plus, quand tu connais pas la map, frère, c'est chaud. Là, j'ai plus de munitions, on fait chier. Et ça, le fusil. Non, ils ont gagné. Dommage. Je pense que j'avais pas la même team que tout à l'heure. Pas de particules. Tu es un mec. Ok. Alors, j'ai gagné quoi? Des gants, 195, 201. Et RJ5. Je mets le mien. Gardez sur moi, mais... J'ai une arme aussi. Diapompe. Visite d'éclaireur, 2202. Oui, on met. Et ça, le stuff, les gars, que je me tape. Ok, parce que... La saison 14, j'ai rien à débloquer. Hein. Ah, je vais gagner 3... 3 modules, j'en ai vraiment besoin. On en refait un. Je refais un petit gambit. Première phase de découverte. Oui. J'ai 300 heures ou 400 heures, c'est pas énorme hein, sur un jeu comme ça. Les mecs ils ont 2000, 3000, 4000, 5000 heures de jeu. Mais j'y ai déjà joué quoi. Donc c'est pas une découverte. Mais il y a des années, enfin il y a longtemps quoi. Enfin il est sorti au début sur PS4. Et ouais les gars, il y en a des heures de jeu là dans cette putain de barbe blanche. Oh, le Gambi a du temps de chargement, hein. Ils ont des beaux vaisseaux les mecs. Hein. C'est pas le mien dégueulasse. Hein. Mais ils font trop les malins, je vais claquer 10 balles les gars, la carte bleue je lâche. Elle va chauffer. Ce soir, hein. Je prends le pass de combat ce soir et un petit skin de vaisseau. Oh, oh, des infâmes en approche. Oh non, Marionco. Un infâme, c'est juste un déchu qui a pas eu de chance. Ouais, c'est terrible. Ah, il y a des bouffons comme moi. Je crois bien. Je crois bien qu'ils vont nous allumer en face. Apportez-moi des particules et je vous rendrai riche, promis. Ça c'est l'ancienne map. Je crois ouais. Ah mais c'est vrai qu'il y avait ça là de map possible, donc en vrai il y en avait deux. Je suis ouf moi.
Oh, tu me tires dessus, frère. L'ennemi en approche au stade. Tiens, il va prendre les munitions. Écoutez. On va tirer à bout portant. Hein. Avec le fusil de précision, c'est pas très grave. Hop, hop. Alors, je sais pas c'est quoi là, les boules. On dirait que c'est un poteau qui crée ce truc. J'en ai que 6. Putain, j'en ai perdu 6. Fais chier. Ah, je suis squishy, hein. Aussi. J'ai un stuff de Kharia, je joue mal. Pourquoi tu me tires dessus, fils de pute? Tire sur ta grand-mère. Là, je suis pas très efficace, hein. Défi saisonnier terminé. Merde, mais pourquoi ils me montent vers là-bas? Ils me disent d'aller là-bas. Ah, parce qu'il y a ça. Tiens. Par contre, la manette qui vibre, je vais enlever. J'enlève. Hyper chiant. Avec 50 munitions, en fait l'autre il n'y a pas beaucoup de munitions quoi, il me faudrait un fusil d'assaut avec. Un fusil rayon en plus. Plus un fusil éclaireur c'est bof. Niveau munitions. On est 11. Vous invoquerez un primordial. Vous voulez gagner ? C'est comme ça qu'on fait. Ok, on y va. On va avec le primordial. Voilà. Le portail est prêt. Vous avez invoqué un primordial. Instruction suivie. Tuez-le et vous aurez gagné. Ah putain, il a tué tout le monde, l'enculé. Je sais même pas où il est. Ah ouais, 1327, il sait exactement où se mettre. À peine il pop. Vous pouvez respirer.
Bon, par contre, nous, notre primordial, il est là. Bon, j'ai pas de lance-roquette. Ça va! Putain! Putain, j'ai pas beaucoup de munitions, on fait chier. Allez, dégommez-le. Trop tard, on a gagné. Tiens, enflure. Oh, voilà. Oh, catalyseur serment des embrasseurs. C'est pour un... pour améliorer une arme exotique. Putain, le top. Bien ça. Et j'ai eu deux fois la même arme. Cool, le Gambi, j'aime bien. Artefact plus 1. Donc ça, on va y aller tout de suite. Ah non, c'est l'artefact. C'est pas le... Ok. Ici. Donc là, j'ai un point à mettre ça. Ouais, disponible 1. C'est des mods, en fait. Ah, mais si c'est des mods... sont bof les modes, hein, la vérité. Réduit la perte de pression subie en essuyant des tirs quand vous... Ouais, c'est pas mal. Débrouillez ça, je m'en fous. Voilà. Maintenant, le stuff. Ah. Eh ouais, 1202, 1206. Pistolet mitrailleur. Donc la fer à bras, intensification, armature. Visée rapide. Je sais pas, je m'en fous, c'est la même chose. Et des celui-là. Euh... 1202 204. Visée éclaireur. C'est ici que je voulais looter une arme. Je sais pas. Je sais pas quoi faire là. Je sais pas quoi faire. Je reste comme ça. J'ai eu... C'est laquelle j'ai eu? C'est celle-là là. Pistolet mitrailleur 1206. 1202. Non, elle est mieux, il met le mien. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Là, il me dit j'ai ça, mais ça je peux pas y aller, il faut être 1300 pour y aller. Ensuite, ici, quoi? Équipement puissant, le Gambi, palier 1. Terminer les contrats du dans le Gambi. Bah, pourquoi j'ai pas de contrat? J'ai des contrats du Gambi? Ils sont contrat. Ah ben j'en ai terminé un. Je peux retourner le voir et voir s'il n'y a pas d'autres contrats. Le Gambi. J'en pense. C'est lui, hein. Ouais. Allez, allez. Allez, on va voir Yaki sur... On va voir Yaki. Et je vois qu'il y a que... Anis, t'es là? Ouais, David. Quoi de neuf?
T'es au boulot? Ouais. Okay. J'ai le corps dégueulasse, j'ai hâte d'aller à la muscu là dans une heure. Tiens, le mien alors? Il meurt. Une huître. Quand je mets un short, j'ai tout le ventre qui dépasse et tout, tu sais, c'est chaud. Combattant. Voilà, j'en prends des contrats, les gars. Là, c'est le chef du Gambit, ils savent que l'épée, il est là. Ça, c'est voulu. Ah, t'es là, Yayou? Téléphone. Ouais, reste là-bas. Téléphone. Pour faire quoi? Pour quoi? Pour revenir. T'as pas de manette? Et aussi, elle est là, dans tes mains. Celle qui est dans mes mains? Oui. Oh, passe. Ah, mais tu peux pas prendre mon téléphone. Parce que je m'en sers. Eh ouais. Comment je fais pour l'appeler, moi? Appeler qui? Semaine. Je l'appelle et tu me le rends. Bouge de là, bouge de là. Alors, j'ai eu des trucs, on va regarder ce que c'est. Bon, déjà, j'ai des missions et j'ai eu un petit loot. Un loot qui... Un casque 180 et il est là. Ah non, il est moins bien que le mien. La merde. Il me donne de la merde, putain. Sympa ça. Et après c'est tout? Ouais, c'est tout. On va relancer un petit Gambit vite fait. Les gardiens sont toujours les bienvenus sur les pavés. Ouais, jouer que au Gambit, me faire un stuff PVP. Stream. Le soir tu stream? Ouais. Mets ton verre là-bas. Pas fou lui. Moi, tu fasses le ménage. Tu me fasses un petit massage des pieds. Et que tu changes la litière du chat. Je stream Destiny 2 là, à Nice. Tu m'entends? Ouais. Anis, il a un client. Oh. T'es déchu à l'horizon. Que le tourbillon déchu était pire que la chute. Putain, quelle sale arme de merde. Pour eux. Protocole de téléportation prêt. Yayou, téléphone, viens vite. Apportez-moi des parties. Parle là-bas et ferme la porte. Je vous rendrai riche, promis. Je veux me rendre riche, t'intéresse? Défoncé. Merde. Oh, j'ai volé pas mal de trucs, j'avoue. Je vais aller les poser, j'en ai combien? 11. Je sais si j'en ramasse un peu plus.
Oui. Oh, il ramasse avant moi. Ah, je suis full. C'est pour ça. Ah, on peut pas poser. Faire jouer le petit pour qu'il me farme mon Gambi, comme quand j'avais le cybercafé, je faisais farmer les petits donc des heures de jeu sans pitié. Ah, ils sont gagnants, jouer gratuit, vous avez pas de sous, farmer sur mes comptes. Ah, moi j'aurais bien aimé avoir des stages pareils. Bon, mes stages, c'était pas ça, les gars. Pac! M'a chlassé l'enflure. Vous perdez des particules, mon frère. Détruisez ces bloqueurs. Perds aucune particule. Enfin, j'en ai perdu 4, mais. Re les mecs. Ouais, Gwen. Ouais. Tu veux pas mis ça? Non, j'ai rien mis. T'es une merde. Y'a tout là qui vient. Faire quoi, c'est tout là, il vient. Ouais. Non, c'est tout. Ah, il vient avec vous. Mmh. Dehors, elle pue là. J'ai sa fille, j'ai ma fille. Oh putain. T'as vu les photos que j'envoyais, Annie? Le Black Team. Ah oui, j'ai vu. Ah, je me fais toujours tuer. Putain, 8 parties. Hallucinant, Annie. Hallucinant, la game, frère. J'ai fait 37 kills. Il a fait venir un primordial. S'il le tue, il gagne. Putain, 8 parties que je take. Ah ouais, la game, ils nous ont mangé. J'imagine, Annie, 37 kills et je perds. L'intrus est parti. 72 000 de dégâts. Une cible importante s'enfuit. Occupez-vous. Le deuxième, il a fait 40 000. On a perdu. On est 15, j'y vais poser ça. Allez! J'ai joué hier à Destiny. Ouais. J'ai fait quelques missions. Le boss de fin de l'extension. Je crois que j'ai tué. Bah non, c'est pas un raid et tout à faire. Ah oui, non, mais moi je te parle de la campagne. Ah, des missions? Je sais pas. Oui. Tu l'as pas tué, toi? Je me rappelle plus du tout. Là carrément, ils m'ont fait. Parce qu'en fait, là, il y a un patch qui est sorti récemment. D'accord. Et je crois que c'est ce que t'as fait, toi, là. T'as fait le truc du patch, parce que je l'avais pas fait. J'ai vu 10 missions que t'as fait que j'avais pas faites. Alors que j'avais fait beaucoup de missions dans la campagne. D'accord. C'est le. Comment ça s'appelle? C'est le. T'as vu, à un moment, tu vas. Il n'y a pas des aliens réfugiés dans une grotte avec des bébés et tout. Et ils t'attendent à toi, le gardien, genre. Ah oui. Et t'arrives, et c'est Mithrax, le mec. Il t'ouvre un portail. Ouais, c'est au tout début, ça. Moi, je l'ai fait au tout début. Moi, hier, ils me l'ont fait hier. Alors que j'étais bien avancé. Parce que ça, c'est un nouveau patch, en fait. D'accord. Voilà, donc ça, je l'ai fait hier. Et là, j'ai vu que le 26 août,
Il sort un gros DLC. Patch de ouf. Ouais. Pas un DLC, mais un gros patch. D'accord. Vraiment okay. Une grosse mise à jour avec des modifications et tout. Donc voilà. Je pense que je l'ai tué, le boss de fin. De la campagne, je parle. 1195. Ah. Là, j'ai un blédard dans mon équipe. Ah, c'est ça que j'ai looté. Faut que je prenne le pass de combat. C'est pas une win un peu, je trouve. Hein. Ouais, tu m'as dit. Parce qu'il y a même des quêtes que tu peux pas prendre, carrément. C'est abusé, ça. Ouais, c'est n'importe. C'est n'importe quoi, carrément. Les petites compos et tout, tu sais. Normalement, c'est que les skins. Hein. Ils abusent. Ah non, c'est des compos et tout. Je sais pas comment ils ont laissé faire ça. Ils sont plus avec Activision. Bah ouais, mais une fois que le flou y rentre. Ouais, ouais. 1206. Ah, attends. Ah, il est lancé. Moi, je suis un peu de Gambie, mais je suis un peu perdu. Franchement, c'est compliqué parce que. Enfin, quand tu as pas joué depuis longtemps et tu reviens comme ça. Si tu joues pas avec des mecs qui connaissent ou si tu regardes pas plein de vidéos, oui, t'es perdu. Même moi, je me rappelle plus des boutons et tout. Bah, pour jouer, ça va, mais pour les quêtes. Oui, les quêtes, les endroits où tu dois aller et tout, ouais, je capte. Mais ça va, c'est bien indiqué quand même la quête principale, tu vois. Oui, bah parce après, que les bleus sont sur la map, mais après tout le reste. Ce qui est secondaire et tout. En fait, tu sais pas qu'est-ce qui. Doit être fait, qu'est-ce qui est des vieilles extensions voilà. Et que ça sert à rien et tout, ouais, ça gaffe ça. Ben, il y a Zalidane, je sais pas si tu connais, il faisait des vidéos sur Division 2. Et là, il a fait toute une série de vidéos sur YouTube de Destiny. Hier, j'en ai regardé un peu. Mais je me doutais qu'il allait aller sur Destiny. Moi, je l'avais connu sur Division en fait. Il faisait des vidéos pour les builds et tout. Ben là, il fait pareil, même pour les quêtes exotiques. Il fait des vidéos, il t'explique tout sur chaque arme, comment les avoir et tout. En fait, là, je suis à 100 FPS, donc j'ai perdu 40 FPS. Mais c'est très fluide. Je vois pas trop la différence. En 2K. Je suis toujours en 2K au fond au max. Ouais. Donc, moi, moi, je suis à 120, 130 FPS, mais je suis en 1080p. Ouais. Des infâmes en approche. Bon, c'est fluide, jouable, sans souci. Et oui. De toute façon, tant que t'es au-dessus des 80, généralement, t'es bien. Mais pas sur Warzone. Hein. Warzone, 80, c'est dégueulasse. Hein. Non. Si, 80, ça va. 80, c'est Warzone. Oh, bof. Warzone, il est très mal optimisé. Mais... Très mal optimisé. Oui. C'est un carnage, ce jeu. La preuve... C'est vraiment un jeu pour l'argent, quoi. Là, le jeu, il est plus beau. Bon, après l'autre, c'est vrai, il y a 150 joueurs en même temps. La map, elle est grande. Oui. Il est vieux Destiny. Il est plus beau. Ouais, mais il y a des patchs, il est tout le temps optimisé. Oui. Et je voulais dire un autre truc. J'ai oublié. À Nice, cette semaine à Cacorp, ils ont perdu tous leurs matchs. Je capote. Ils ont perdu encore aujourd'hui ? Ouais, ils ont perdu le. Il y avait deux matchs cette semaine, ils ont perdu les deux. Et j'ai pas vu aucun des deux, je suis dégoûté. Et du coup, ils reviennent ex aequo avec. Enfin, Vitality sont revenus ex aequo. Alors qu'ils étaient premiers large là, quelque chose. Et là, le gagnant, il gagne quoi? Je comprends pas. Bah, le championnat de France. Mais ils l'ont pas déjà gagné? Ah, il y a deux. Il y a deux segments. Bah oui. Là, c'est le segment été, Summer. Et à la fin, t'as les playoffs et les European Masters. Ah, je vous dis. Elle est dégueulasse la grenade de la nouvelle doctrine. Ça sert à rien.
Avant je jouais bien là, je suis pas ouf. Le temps de réaction, mon skill est dégueulasse. Je le vois, j'en suis conscient. Oh. Mais j'en ai là. Vite. Attends, je vais aller poser, j'en ai 11. Non. Non. Ennemi en approche au step. J'en ai zéro là carrément. Je vais les dégommer avec mon ulti. J'ai déjà un AFK, la partie vient de commencer. 40 secondes, j'ai déjà un déco. Non, je suis mort. 6 particules, allez, perdu. Écoutez. Votre allié a lancé une invasion. Ah ouais, j'étais tout seul. La cible importante est partie. Ah, ça va être la prochaine. Mais là, je suis mal équipé. Première chose que j'ai fait, Gwen, c'est acheter un skin. Et je savais pas qu'il y avait un pass de combat. Je crois que je vais essayer. Mais t'as pas Twitch Prime? C'est-à-dire pour Amazon Vidéo ou tu sais le Amazon Prime quoi. Oui, et alors? Bah t'as tout vendu, ils sortent souvent des skins sur Destiny 2. Ah bon, comment on fait à les avoir? Twitch, tu vas sur Twitch. Sur Twitch? Ouais, tu vas sur ton compte Twitch et tous les jours ils offrent des cadeaux sur des jeux différents. Genre tous les 10 jours t'as un skin League of Legends. Ouais. Et sur GTA, t'as des dollars. Sur quoi comme ça encore? Sur Destiny, t'as des skins. Moi, ils m'ont offert plein de des montures, des skins de montures. Même quand je jouais pas, je les prenais, t'as vu? Ça coûte rien. Je l'ai tué. J'ai tué un mec. Faites ma mère. J'en ai collecté 5. Non, c'est de la merde. En poser 5, ça sert à rien. Le portail est prêt. Au boulot. Attends. C'est presque l'heure du primordial. Remplissez cette banque. Allez, c'est bon. On va remplir. Est à terre. Et après avoir éliminé deux ennemis. C'est bon, on a fini là. Allez, remplissez la banque, faites apparaître ce primordial. Ah non, faut qu'ils viennent poser les trucs. Vous avez invoqué un primordial. Éliminez les envoyés, réduisez-le ensemble. C'est lui le primordial? Ah non. Un remake, génial. Ah, je me suis fait dégommer. Je pensais que je pouvais rester dans mon soin, mais non. Dommage.
Ah, il est immunisé. Non, je vais essayer de rejoindre une guilde en fait. Je peux pas rester nous basse point, il faut que je sois guidé, que je joue avec des mecs. Bah si tu le stream, tu vas avoir des mecs qui vont venir sur live. Salam, ça va? Bah y'a personne qui est venu en tout cas. Non, c'est, si je reçois c'est dans un mois, je vous ai commandé le temps que ça vient et tout. C'est bon. J'allais me faire tuer par l'intrus. Ah, j'ai des loot mais c'est de la merde. Et ça c'est quoi, fragment de clé du solti? Je sais pas ce que c'est. Il y a trop d'items. Ouais, c'est trop ça le truc. Combo, trop d'items. Les anciens ils s'y retrouvent mais... Il manque un tuto de ouf pour les nouveaux. Après c'est un... C'est un MMO à part entière. Hein. 12 000 extensions, des missions, il y en a je sais pas combien, des raids, il y en a plein. Alors, est-ce que j'ai looté un petit truc? Ouais, mais bon. La merde. Ouais. Bon, revolver, je mets pas. Et là, fusil d'éclaireur. Chier. Pas besoin d'aimer que ça. Je crois que je vais améliorer lui. Ah merde. Ah. J'ai quoi là? Fusil automatique. Pistolet mitrailleur. Je vais... Là. Si je vais mettre celui-là, je vais l'améliorer. 1204. Non, 1206. Ah mais attends, tout à l'heure il y a eu un catalyseur. Je sais même pas de quelle arme. J'ai eu un catalyseur tout à l'heure, je sais pas de quelle arme. C'est pas celui-là déjà. Celui-là je l'ai déjà. Donc... Ça y est, je suis 1202 lumière. J'ai vu des mecs à 1300 et quelques. Alors est-ce que je retourne prendre des quêtes? Ouais. Ah. Il veut un truc lui. On va aller lui parler. Et ah oui, Gwen. Wesh. Tu te rappelles sur Discord la qualité était dégueulasse. Ouais. Ça m'a fait la même chose sur OBS et j'ai trouvé ce que c'était. C'est l'HDR. Dès que ok, d'accord. Ouais. L'HDR dans les options, il n'y a pas écrit HDR, il y a écrit HD. En fait, j'ai trouvé ça sur jeuxvideo.com. Je l'ai enlevé, ça a marché cash. Ça m'a fait la même chose là, le espèce d'effet dégueulasse. Tu stream là? Ouais. Non mais je le vois. Je le voyais, tu sais. J'ai vu de quoi tu me parlais. Ah mais là t'es en stream Twitch? Ouais. Ah mais je savais pas, fallait me le dire. Hop. Mais ouais, j'étais même pas sur le live là. C'est bon, je suis là. C'est bon.
Ouais, là, il est magnifique le jeu. Oui. Il est vraiment magnifique. Oui, oui. C'est ça qui m'a remotivé. Si à la base c'était un bon jeu. Tiens, en plus il est toujours bien mis à jour, qu'Activision a plus la main dessus. Oui, tout. Ouais. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle va me donner? Un engramme. 1209. Ouais, je veux bien. Ça, c'est quoi comme quête, ça? Ah, du gambit. Ah bon? D'accord. Ah, elle me donne un truc de chat, elle. Ok. Ah, ça, c'est les étendards. Je m'en fous un peu pour l'instant. Faites attention à vous, là-dedans. Ouais. Au revoir. Alors, je retourne voir l'autre en bas. Il est où, il est où? Là. T'as parlé de AI marketing? Qui? Là. Non. Ok. C'est un des sous là. Et après tu parles. Ouais, t'investis et après tu. Ouais. T'investis, tu fais rien et tu récupères tes sous. C'est les gamins, ça roule. Mais j'attends de voir dès qu'il a encaissé, voir. Ouais, pareil. Parce que ça me semble trop beau là. Bah, y'a des mecs qui ont encaissé. Ça date pas d'aujourd'hui, il y en a plein même. Par contre. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Après, c'est une méchante affaire si ça marche bien. Oui, ça marche bien, t'as envie d'investir, tu investis puisque c'est, tu mets tes sous, tu récupères. En fait, c'est la meilleure affaire qui existe. Tu fais rien du tout et. Voilà, après, ouais, le seul risque, c'est que le mec il ferme le site et il se barre. Ça s'appelle un Ponzi. C'est, en fait, il y a des mecs, ils sont allés et ils ont mené une enquête pour voir si c'était un truc pyramidal ou voilà, un Ponzi, quoi, une arnaque. Et ils ont vu qu'en fait, non, les fonds, ils existaient vraiment, que le mec, il était sérieux, qu'il n'y avait pas du... Voilà, que c'était pas de la merde, quoi. Ça a bonne réputation. On va dire. Alors, attends. J'ai un truc à faire. 209. Donc on va mettre les gants, on va mettre le skin. Ah. Oh. Et blanc. Bizarre ça. Donc, je vais le remettre noir comme d'origine. Hein? Hein? Attends. Quoi le skin d'origine? Enlever, non? Ah voilà, c'est celui-là. Là. 209, donc tout le reste c'est de la merde. Je vais mettre des... Ah non. Faut que je paye. Je vais juste payer ça. De base. Et là je paye plus. Alors. Ça, fusil automatique que vous portez, tire des munitions per... Ouais, je vais mettre ça. Putain, avec une attaque de mêlée réduite. Non, c'est mon fou, ça. Mitrailleuse. Ah, fusil de rayon, plus rapidement. Ça, ça m'intéresse. Il me reste un point. Voilà, on va mettre celui-là. Parfait. Ah, il y a ça, il y a celui-là. Mettre. 4 énergies, 5 énergies. Pas trop de différence, on va mettre des modes. D'accord, les modes ils sont payants maintenant, c'est plus des items, c'est beaucoup mieux.
Donc en fait, tu t'en fous. Une fois que tu déses la pièce, t'as perdu tes sous et c'est tout. Et c'est mieux en tout cas. Donc là, j'ai 5 places. Ouais, on va prendre ça. Ouais, on va prendre ça aussi. Oh non ! Merde. D'accord. Ok. Ok. Je vais faire maintenant. Ça la question. On va refaire un Gambi. Vu que j'avais presque un. Mais il y avait un truc que je pouvais aller chercher, je sais, ici. Y aller. Prendre. Et après je ferai le Gambi. Ouais, faut que je trouve des mecs avec qui jouer. Insuffisant. Décrypté. Ah, une arme. Non. Ah, 106. 6. Pistolet mitraille. J'ai déclaré non. Ah, dommage. Et là, est-ce qu'il y a des modes là-dessus? Juste le catalyseur en fait, les exotiques. Parce que j'en ai pas des mieux. 180. Énergie, 5 énergies. Il y a un stuff PVP aussi. Sauver. Ils sont des raids. C'est bien dégueulasse. J'ai peut-être changé ouais, la couleur. Ouais. Qu'est-ce que tu fous? Rien, je suis en train de jouer. Tu vas pas. Viens. Ouais, mais c'est à 21h. 3 minutes. Ouais, bah je finis ma game et. Vas-y, à tout. Oh, il est loin le resto? En Italie. Ah oui, c'est là où vous allez tout le temps. Ouais. Alors. Voyons ce qui nous attend. Les cabales sur le terrain. J'ai envie d'aller vivre en Réunion, Gwen. À la Réunion. Ouais, tu m'as dit. Les cabales, vous leur avez fichu la honte. Ça fait le moral. Il est temps d'en finir. Tu m'as dit. Putain, je galère cette game là. J'ai un Wukong qui pue pas à l'école. Deux fois que c'est Irelia et Rome et lui il bouge pas. Ah, c'est là-bas, merde. J'aime bien ce fusil, il est bien. Ok.
Faut que j'augmente ma 106 et tout. C'est bon. J'ai les mêmes touches que sur Warzone. Merde. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Les 7. J'en ai 9. C'est bon, maintenant il peut me tuer. Ah ouais, je sais même pas où il est, ils sont forts les mecs. Hein. 1340 de lumière il a. Un monstre. Ah, ça en donne 15, d'accord. Nul. Sur la plage. Un corrompu arrive chez l'ennemi. Parfait. Votre intrus est de retour avec 3 éliminations. Concentré. Hey, vous avez de quoi faire venir un primordial. Déposez ces particules. Ok, on va les déposer alors. Médaille d'instruction suivie. Vous avez invoqué un primordial. Tuez-le et vous aurez gagné. Un intrus, accrochez-vous. Bah. Primordial compromis. Nettoyez-moi tout ça. Ah, il m'a tué. Oh, on a trop d'avance, ça. Ah non, pas trop. Éliminez le vôtre immédiatement.
vous aurez gagné. Non, on n'a pas trop d'avance. Hein. Les fils, ils en y est terminé. D'accord, dans le journal des quêtes, faut que je récupère un truc. Surveillez vos arrières, un intrus est là. Votre allié a lancé une invasion. L'équipe ennemie est sur le point de gagner. Bougez-vous, Primordial est presque mort. Le combat est terminé. Oh non, on a perdu, il n'y avait plus de vie. J'ai cru qu'on allait gagner, je suis blasé. Gardien 3, rendez visite à Vagabond, la tour pour récupérer votre récompense. Là j'ai... Quoi ici, rien. Ah bah j'ai pas encore le rang. Ah, c'est dans le truc des quêtes. C'est ici le défi saisonnier. Minotaur et les minés en surcharge. Surcharge et miné des vex puissants partout dans le système. Le boss Minotaur. En surcharge. D'accord. Ça, les défis, ça rapporte énormément. Ouais, ça m'a fait prendre deux levels, putain. Vraiment. Peut-être c'est pas fini, j'ai encore. Non. La mission commune. C'est est-ce que je peux en créer un? Oui. Faire maintenant. Je vais ouvrir des codes de déchirure sur charge. Pas trop ce que ça veut dire ça. Et bon. Où j'ai fini. On va aller voir le mec du Gambier maintenant. Vagabond. T'as pas fini ta game? Non. Même je dois le resto après. Oh je sais. Calvaire. Un calvaire de choisir des handicapés.
Merde, j'ai pas... Oula. J'y suis un peu dessus. Je le vois pas. C'est que cette histoire est là. Appelez-moi le vagabond. Merci. Mur. Oh. Ne gaspillez pas ça. Déjà, c'est un fusil à impulsion. Alors, j'ai m'a donné une armure, on va voir. Ça, non, moins bien que la mienne, à quoi ça sert, enfoiré. Hein. Ah merde. Peut-être parce que c'est une armure PVP. Peut-être. Si. C'est possible. Il y a des symboles en haut à droite des armures. Mais je sais pas du tout à quoi ça correspond. Allô. Ouais. Ouais, je suis là. Ouais, Gwen, elle est toujours pas rentrée, ma femme, je suis baisé. On part dans on n'est pas encore parti. Ouais, mais elle est en train de faire une épilation à l'Ariane et il y en a pour 45 minutes, elle m'a dit. Je suis baisé. Ok, ok. Ouais, ça roule. Putain, moi je serais bienvenu. Même pour pas manger, juste pour squatter. Ouais, je capte. Ouais. David, t'es là ? Ouais, ouais. Je game, je stream. Voilà. Ok. C'est tout ? Ouais, je suis avec la petite, c'est tout. Peut-être que je vais aller à Paris, peut-être. Acheter une caisse, c'est pas sûr. Ouais. Dans quelques jours. J'ai pas envie. Je déteste trop l'avion, j'ai trop peur de l'avion. Ouais. Je réfléchis, si je donne pas 150 euros à quelqu'un, si je crois pas quelqu'un, je donne 150 balles, il y va pour moi. Mais je peux pas faire confiance. Parce que, enfin, je sais pas. On verra. 150 ouais, c'est... Mais c'est une journée de galère, mais bon, c'est, voilà, c'est une journée bien payée, quoi. Ah, mais 1100, c'est la puissance max. Merde. Ça sert à rien là. D'accord. 6, c'est tout ce que t'as raconté? Ouais. En gros, ouais. Vous pensez que le voyageur réalise qu'il a de la compétition? Ouais. Je crois. Hein. J'ai reparlé avec le musulman de Cannes, là, du truc que je t'ai dit. Il m'a donné plein de détails, plein de... Quoi, l'IA ? Ouais. Ouais. Je vais prendre un bébé. Donc, ça a l'air pas mal ? Bah oui, marcher, c'est sûr que ça marche. Après, c'est, ça marche jusqu'à quand ? C'est ça, la question. Le truc, c'est, est-ce que tu arrives à la fin du train ? Est-ce que... Ah ouais, je captais. Putain. Parce qu'il y aura une fin du train. Bah si c'est, si le truc il est vrai, tout dépend la base du truc, si c'est vrai. Si exactement. Tout est vrai. C'est vraiment les marques. Les marques qui sont gagnantes, si t'es gagnant, toi t'es gagnant, tout le monde est gagnant. Je fais de la pub, les marques elles vendent un peu plus. Qu'est-ce qu'elles s'en foutent de verser 3% ou 5% des ventes, ça n'a rien à branler. Et tout le monde est gagnant. Donc si c'est vrai, ça se voit aucune raison que ça se finisse. Maintenant si la base du truc c'est pour faire une chaise. Bah là, ils se laissent gonfler jusqu'à faire une chaise. Comment savoir ? T'as dit que les mecs, ils avaient fait la recherche. Ah oui, 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 franchement, oui. Mais ça n'empêche que si ça a été fait pour chaiser, ben, recherche, enfin, moi, je peux pas, je sais pas. Franchement. Ok. C'est tout. Oh oui, da. Oh oui, ma fille.
je t'ai appelé tout à l'heure en vidéo, je lui ai dit tu regardes là et danser. Ah ouais, mon téléphone il s'est coupé, hein. J'avais 1% de batterie. J'étais en train de revenir. Alors, pourquoi pas les quêtes avec l'ignote par contre? Je comprends pas. Aïe. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? T'es fatigué, bébé? Bon, les gars, moi j'y vais, je vous dis à toutes. Vas-y, bon, dommage. Putain. Ouais. Vas-y. Ciao, ciao. Ouais. Donc, tu peux pas y aller tout là? Mais non, j'ai la pile. Ok. Je peux pas. Je nourris bébé. Il y a deux missions en fait. Oh, il y en a plein, il n'y en a pas deux. L'achèvement de la quête avènement d'un adversaire 1240 ans. Bon. De toute façon, si je vais dans par exemple dans assaut, on regarde 140, j'ai parti. C'est un assaut au pif. Ok, j'en fais encore un. Et ça sera très bien pour cette première session. En fait, je rejoins un jeu que je joue avant. T'es là? Notification. Oh, il était beau son vaisseau, lui. On est deux déjà. On est trois. Yayu, tu peux m'éteindre la clim, s'il te plaît? Ouais. Je t'écoute. David? Ouais. Allô? Bah oui, je t'écoute, Christa. Allô? J'entends pas. Tu peux m'éteindre la clim, s'il te plaît? D'accord. Je stream. Il est mort caché, lui. Ah ouais, il faisait froid. Hein. Je dois vous demander de vous mais je la connais cette mission, je crois. Déplacez-vous rapidement. Mais je vais avec précaution, gardien. Je crois que je la connais. Ça lance des missions au pif, en fait. Bah ouais, c'est une vieille mission, ça. Quoi ce bruit là? La vie? Ouais. Allô? David? Ouais, allô? Ah, j'ai... C'est toi qui... Comment? Toi qui bug. Ouais, j'avais enlevé le haut-parleur comme un con. Écoute. Après, ton son est dégueulasse. T'entends pas, ton son est dégueulasse. Ah non, rien, j'ai dit on va laver bébé. Je devais aller au cinéma, mais finalement je suis pas allé. Personne t'a dit, toi, ah ouais, s'il est bien Black Widow ou pas? Non, mais dans tous les cas, t'as quand même envie de le voir. Oui. Dans tous les cas, ça passe. En plus, ça a l'air belle là-bas.
Celle qui est avec elle, là, t'aimes bien? Ah, je sais pas qui c'est. En tout cas, je la suivais sur TikTok, mais je vois que je la suis plus, donc à mon avis, ma meuf, elle me l'a enlevé. L'actrice de Black Widow. Laquelle? L'actrice la des Avengers ou l'autre? Non, des Avengers. Ah, ouais. Okay. Elle est trop belle. Elle fait des TikTok tous les jours. Là, elle a pris un coup encore, mais... Non, ça va, yes, ça va. Ça va, mais avant, c'était vraiment une beauté. Dans The Island, c'est un truc de malade mental. Oui, parce qu'elle est passée de 20 à 30 ans, quoi. À 36, est... ouais. 36. Mais dans Island, rappelle dans Island, David. Ouais. Toi, tu trouves que c'est qui la plus belle, elle ou celle de Passenger? Ah, ben, ça dépend dans quel film. Dans Passenger, elle est magnifique. Ouais. Mais après, dans les autres films, si on compare tout, la générale, elle est quand même plus belle l'autre, largement. Ah bon, tu trouves? Ouais. Moi, je l'ai vue pas maquillée tout. Parce que sur son TikTok... Ouais, je sais, il y a certaines fois... En fait, ça dépend. Des fois, tu la vois au Festival de Cannes avec les gros seins, toute maquillée, elle est magnifique. Et des fois, tu la vois pas maquillée. Elle a pas des gros seins, je te le dis, elle a pas de gros seins. Ouais, c'est les robes qui font ça. C'est les robes, ouais. Elle se déguise tous les jours. Et tous les jours, elle met son armure de Black Widow et elle fait des TikTok. Après, elle se déguise en plein de trucs, mais... Ça va, bébé, ça va, mon bébé. Ça va. Faut faire attention quand tu marches dans l'eau. Ah, lance roquette. Fais glisser, mon bébé, faut pas glisser. Oh là là, mon petit bébé. Putain, comme elle est belle, David, tu la verrais. Ouais, je te crois. C'est une merveille de ouf, ses yeux, sa façon de te regarder, c'est un truc de malade. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? N'importe quoi. J'ai vendu ma Twingo. Ouais, l'ancienne. La noire là, ouais. J'ai racheté une Clio, et je vais normalement la vendre là mardi. Ou mercredi. Là, t'en as acheté une, tu vas déjà la vendre? Ouais, je l'ai acheté pour la vendre l'autre. Pour gagner un petit billet, tu vois. Okay. J'espère que ça va le faire. Et par contre, il me faut une cache, une caisse. Ouais. Donc c'est pour ça que je vais peut-être aller à Paris si le mec se fout pas de ma gueule parce qu'il a l'air louche. Ouais. Rappelle-moi après tout là. Ouais, comme tu veux, pourquoi t'es en train de streamer? Bah ouais, tout le monde entend tout. Ah ouais, ok, vas-y, c'est à moi de raccrocher les scuds, c'est à moi de tout ça. Là, y'a personne, mais la vidéo elle reste enregistrée, tu sais. Ouais, vas-y, je raccroche. Dégage. Oh les gars. Oh la petite session tranquillou, repris sur Destiny 2 les gars, et j'augmente ma sensi, je jette un coup d'œil sur les options, là j'ai lancé à l'arrache. Je trouve une guilde le plus vite possible à une commune. D'accord, 162 j'ai compris, c'est le niveau d'artefact. 217 et tous les mecs. Trop chaud. Moi je suis 7 ou 8. Non, je suis 10. Hein. Bon c'est de la merde. Elle a hâte.
Je ferai une session dans 2 heures, un truc comme ça, je relance une autre session. Parce que là, comme on dit, j'ai repris le goût. Le goût du vice. J'espère qu'il n'y a pas qu'une seule mission pour le DLC là. De la lumière, on dirait qu'il est super court. Ne serait-ce pas un foutage de gueule, les gars. Il a activé, il a rien entendu, juste l'enflure. Et lui, il a méchant skin par contre. Je claque les pour rien, pour le fun, les gars, pour le fun. Petite mitraillette, lui. Ah, il y a plusieurs étages, c'est pas maintenant le boss. Ce qu'il a fait là, il a fait une espèce de d'artifice qui me tire dessus, putain. Je sais pas. Ah frère. Ah c'est l'AE. Ah c'est une AE. L'AE qui nous fait pas de dégâts, je sais pas. Ok. C'est un fusil tactique en fait, fusil à impulsion, c'est fusil tactique laser à énergie. Voilà. Pas de loot, hein. Très très peu de loot. Trade, c'est pas mal. On est bon quoi. Le mec qui danse là-haut. J'augmente ma sensi, c'est horrible. Le dégât des mecs, oh.
crois qu'on se sert ça. Ah, ils l'ont éclaté, frère. Oh là là, ce qu'ils lui mettent. Ce qu'ils lui mettent, purée. Oh, que du bleu. C'est terminé. Ashladoun est morte. Un peu deg. Pas d'autres loot. Bon, s'il y a des autres loot, ils seront dans la boîte aux lettres. Mais là, je suis un peu deg. 2006-2009. Bon, là, ça monte. La ruche doit avoir des projets plus importants. Ensuite, ici. Le lance-roquette, attends. 2008-2010. Ouais, j'ai usé un truc pour rien tout à l'heure. Et lui, il va tout droit, lui. Module de guidage. Ok. 2006, lance-grenade et pistolet. Donc ça, c'est du 1210. Ça, c'est ma mitraillette. Lance-grenade. 210, 1209. Ok, on s'en fout. De toute façon, j'arrête là. Je relancerai. Quelle heure il est? En tout cas, dans la soirée, là, il est 20h22. Dans la soirée, dans la nuit, je relance un live, les mecs. Allez, je lance DM Core Story ou la fin du live. DM Core Story, allez. À toutes les gars. Maintenant, vous restez concentrés et vous écoutez l'histoire de DM Core. Tout commence sur NeoStream, le système planétaire de l'étoile Streamatoria. Et je vous présente Stream City. Stream City, immense mégalopole où je réside, qui n'est autre que le QG principal, le centre névralgique des streamers professionnels de toute la planète. Des millions de chaînes de streaming, diffusant continuellement toutes sortes de contenus, allant de chaînes ultra qualitatives à inexistantes. Stream City attire les passionnés comme tous ceux qui convoitent la réussite dans le milieu du streaming. Et maintenant, voici l'agent 4. Moi-même. Droïde cybernétique de classe inférieure, créé par la multinationale CyberStream, affecté à l'élaboration et l'animation de chaînes de streaming. Fut limogé de mon entreprise car devenu obsolète. Je pris alors la décision de me venger et de me refaire ailleurs. Justement, là, je suis en train de me rendre sur la plateforme de lancement. Mais attendez, regardez ma carte d'identité et je vais tout vous expliquer. Scrutant une galaxie sans relâche à la recherche d'une planète où le streaming aurait aussi été inventé pour y établir DM Corp, une chaîne de streaming futuriste basée sur Twitch. Afin d'y prospérer et d'être enfin reconnu comme un véritable streamer. Lorsqu'un jour, je fis une découverte cruciale qui allait changer le continuum espace stream à tout jamais. La Terre, où tout justement le streaming était en pleine expansion. Voulant transférer mes données quantiques sur Terre pour y accomplir mon plan machiavélique, je savais que je ne pourrais y parvenir seul. J'entrepris alors le recrutement d'un streamer, et pas n'importe lequel. La streameuse la plus convoitée de tout Stream City. Cette dernière ne tarda pas à refuser catégoriquement lorsqu'elle sut que l'offre venait de ma part. Tu n'es qu'animé que par un minable esprit de représailles pathétiques qui n'égale que ta petite carrure. Me dit-elle, et que j'étais bien naïf lorsque je m'imaginais gravir les échelons du streaming jusqu'au sommet. L'ultime humiliation. Renonçant à capituler, j'ai dû enfin me rabattre sur le streamer le plus médiocre et le plus calamiteux de toute l'histoire de ma planète, qui n'était autre que SangoCDM. Développé par la firme Sextream, SangoCDM était un humanoïde sexuel de dernière génération. Imaginez, l'être de vos rêves, imaginez, l'être de vos rêves, l'être de vos rêves. Il lira vos pensées. Il lira vos pensées.
Le reflet de vos enfants. 100% cellule humaine. Sextream l'humanoïde sexuel par toi. Sextream l'humanoïde sexuel par professionnel de FPS, Sango CDM excelle en extermination de bandits. Intelligence artificielle ultra perfectionnée, cet humanoïde saura vous divertir tout en massacrant tous ses ennemis sur sa route. Son processeur Xtreme s'améliore au fil des games pour atteindre un maximum de top 1. Et c'est là que Sango CDM, après avoir accepté mon offre et sans hésitation, sans savoir pourquoi, traversant tout Stream City, se rend sur la plateforme de lancement, là où nous avons rendez-vous. Armé de notre Stream Deck pour le transfert quantique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pour traverser avec nous les calculs quantiques du streaming, ainsi que participer à Corp TV, rubrique de discussion d'actualité